introduit en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale comme plusieurs autres cultures inventoriées au jardin botanique de Bingerville, en vue de leur vulgarisation, le poivre n'a malheureusement pu bénéficier de programmes de développement, contrairement à d'autres cultures telles que le café, le cacao, le palmier à huile, l'évea, la banane dessert et la banane plantain. D'abord, il faut définir le poivrier comme une liane dont les baies renferment ce qu'on appelle les grains de poivre. Le poivrier est considéré comme un produit très important dans le monde, comme une épice, n'est-ce pas ? Très importante dans le monde. Ça, il convient de le dire. Il est important également de signaler que le poivrier a été introduit en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale par, n'est-ce pas, un Français du nom de Pierre Poivre, d'où le nom du poivrier, c'est-à-dire le nom de celui qui l'a introduit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, justement, le poivrier se cultive dans la région du Sud pour une production de 20 tonnes seulement en 2011 contre des besoins exprimé au niveau de la nation de 300 tonnes. Vous comprenez que le gap pour le satisfaire, eh bien, la Côte d'Ivoire a besoin de faire de l'importation. Nous n'allons pas continuer de faire de l'importation. Si à cette époque, des chercheurs de l'Institut de recherche sur le café et le cacao, IRCC, entretenaient des parcs à boutures en faisant produire des plants de poivriers pour enrichir les jardins des colons, aujourd'hui, les acteurs de la filière sont des opérateurs privés qui exercent en rang dispersé dans les régions de Saint-Fra, de Divo et d'Azaguier. C'est en effet à Abbé Benini, un village moderne de 6000 âmes, situé à environ 10 km d'Azaguier, que nous avons rencontré Maître Billé Kwame Félix, avocat à la cour, par ailleurs planteur de poivre depuis 2006, dans cette contrée qui, jadis, était reconnue comme une grande zone de production de cacao, de café, de palmiers à huile, de bananes dessert, de papayes et de cultures vivrières, tomates, aubergines, piments, etc. Depuis quelques années, la culture du poivre y connaît un essor fulgurant et fait la fierté de la région, comme le témoigne M. Nguan Jean, secrétaire du chef du village d'Abbé Benini. Au début, c'est les enfants d'Ibo qui ont commencé la culture du poivre. Et puis voilà, M. Billé est arrivé par l'intermédiaire d'un de ses amis. Lui aussi, il s'est installé. Il faisait du poivre. Bon, il nous a approchés même pour aller faire une libation dans sa plantation. On a fait la libation, on s'est amusé là-bas, et puis nous sommes rentrés. Et à la suite de cela, il a employé certains jeunes du village, femmes comme garçons, tout ce travail là-bas. Si un de nos frères est venu développer ça dans le village, certains jeunes, je sais qu'il y a certains jeunes qui ont copié sur M. Billet, eux aussi, ils sont en train de faire du poivre. Il n'est pas le seul. Il y a des jeunes qui ont commencé à cultiver du poivre. Donc, un jour, ça va nous rapporter. Ça, je sais que, parce que j'aurais appris que le prix du poivre au kilo, ça fait de l'argent. Si les jeunes se donnent à cette culture-là, il n'y a pas de souci. Malgré ce développement remarquable, le manque d'organisation rend difficile l'accès au matériel végétal de qualité et aux données fiables, tant sur la spéculation que sur la filière. L'approvisionnement en plants. J'avoue que manifestement, il était difficile de trouver quelque part de la pépinière. Donc c'est de fil en aiguille que le CNRA de Bingerville m'a informé de ce qu'on pourrait trouver la pépinière à Azaguier, au CNRA d'Azaguier. Et donc je suis venu au CNRA d'Azaguier, effectivement il y en avait. Et à l'époque, le plant, un pied de pépinière coûtait 1000 francs.
ça coûtait 1000 francs, alors que le CNRA conseillait de planter 2 pieds par tuteur. Ce qui veut dire qu'à l'hectare, il nous fallait 5000 pieds. 5000 pieds fois 1000 francs, nous avons facilement 5 millions. Ce n'était pas donné. Et donc, j'ai commencé avec quelques pieds. J'ai acheté 400 pieds. Avec les 400 pieds, je suis venu, j'ai remis en pépinière. Parce que je n'avais pas pu planter, c'était en 2006, je n'avais pas pu planter. Donc j'ai mis en pépinière. Et quand j'ai mis en pépinière, la pépinière a tellement évolué qu'à la fin, je me suis rendu compte que je pouvais prélever des boutures sur la pépinière pour augmenter ma pépinière. C'est ce que j'ai fait. La plus grosse difficulté dans le domaine, c'est la formation. Ça, c'est un. La deuxième difficulté, c'est les semences. Parce qu'on ne sait pas, moi, la variété que j'ai là, je ne sais même pas quelles sont les variétés de poivre. Je ne sais pas quel, leur nom, je ne sais pas. Mais c'est quand je fais, par exemple, je coupe les lianes là. Je regarde qu'il y a des lianes dont les troncs sont balèzes. Et puis, il y en a qui sont fins. Il y a les feuilles larges. Donc, je me dis, il doit y avoir des variétés de poivre. Mais on ne les connaît pas. Et puis, comment s'en procurer? On ne sait pas. Il n'y a pas de pépiniériste en tant que tel. Et donc, moi, je pense que l'acquisition même du matériel végétal pose problème. Longtemps ignorée, la filière poivre s'organise tant bien que mal à différents niveaux de chaîne des valeurs, incluant la production, la transformation et la commercialisation, afin de se faire une place au soleil. Le poivre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps, mais on voit que ici en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas nombreux qui ont la plantation de poivre. C'est des particuliers, c'est des personnes qui ne sont pas beaucoup qui ont le poivre. Parce que quand ils font, ça ne réussit pas. C'est cette technique-là qu'il manque. Par exemple, je donne une technique. Le poivre, la technique clé, le poivre pendant la saison sèche, le poivre, si tu l'as nettoyé, c'est-à-dire tu as coupé les herbes, tu as fait une plantation de poivre que pendant la saison sèche, tu as coupé les herbes, tu vas faire 1000 ans, tu n'auras jamais de poivre sur ton terrain. Ça, c'est la technique clé. Maintenant, l'autre technique, c'est les tuteurs. Parce que sans tuteur, il ne peut pas avoir de poivre. Il faut un tuteur vivant pour planter le poivre. Si tu prends un tuteur mort, à la longue, le tuteur mort va tomber et le poivre vit et lui aussi tombe. Or, sans le tuteur, il n'y a pas de poivre. Le poivre, c'est quand il est en haut. Quand il est en haut, qu'il donne les fruits. Un poivre qui est mis à terre ne te donnera jamais de fruits. Donc, voilà encore des techniques. D'habitude, quand on travaille, on finit de récolter. Ce qui est en haut, lui, il cueille avec l'échelle. Et puis, moi, je suis en bas, je récolte jusqu'à ce qu'on change de plante. Quand on finit, on revient. Et on essaie, avec les grappes, là, on essaie de dégrainer un peu. Voilà. Parce qu'on vient avec une grande quantité de grappes, comme les planteurs de maïs le font. Et on s'assoit, on travaille un peu. Mais au début, ça a été un peu fatigant pour moi parce que je ne savais pas comment égrainer ça. Donc j'ai grainé ça grain par grain, comme vous le constatez, en grappes comme ça. Je prenais mon temps à lever un, donc ça me fatiguait beaucoup. Donc c'est au fur et à mesure, il m'a fait savoir que non, qu'il faut mettre dans une bassine et masser comme on a l'habitude de masser, peut-être la farine, peu, pour quelque chose même. Donc c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à masser, je vois que c'est en tout cas vraiment c'est facile. Même plusieurs sacs, on peut égrainer plusieurs sacs par jour. Les grappes sèchent difficilement. Voilà, c'est comme quand on casse maïs, je l'avais dit au début là, donc c'est un peu compliqué. Donc avec les grappes, le séchage est un peu compliqué. Mais quand on égraine, on voit que c'est un peu facile. Voilà, ça devient un. Donc, il est mieux d'égrainer ça. Voilà, et quand on égraine maintenant, on enlève le corps totalement. Et maintenant, on passe au chauffage de l'eau. On chauffe l'eau. C'est pas compliqué. On chauffe l'eau. Une fois que l'eau bout, on met dessus, on tourne un peu. Et puis, on essaie de filtrer comme on filtre les graines. Nous, les femmes, on a l'habitude de préparer ces graines, la manière qu'on filtre là. On filtre ça simplement comme ça. Et puis on passe au séchage. L'eau chaude permet de conserver le poivre pendant longtemps. Donc avec l'eau chaude, c'est... Au lieu de mettre les produits, on voit que nous, l'Africain, on allait payer d'autres produits pour mettre dessus pour la conservation. On met l'eau chaude pour la conservation. Puis ça permet de sécher facilement.
je vends beaucoup de choses. Des oignons, poivre, tout ce qui est femme peut payer pour aller faire des choses préparer. Mais je vends du poivre, surtout poivre de Azadié, c'est très bon et ça pique beaucoup. Quand les femmes viennent, elles me demandent ton poivre là, c'est très bon. Ceux qui peuvent nous, qui fournissent, ils n'ont qu'à nous envoyer aussi, on va payer parce que c'est du bon poivre. Sinon, on paye transport pour aller payer à Abidjan. Ça nous revient encore cher. Donc, si vous fournissez, donnez-nous un peu aussi, on va payer. Cependant, l'organisation des différents maillons de cette chaîne des valeurs n'est qu'à ses débuts avec seulement une organisation de producteurs, le CP-PSCI, mis en place en mai 2019 et formellement constitué avec le soutien du FIRCA dans le cadre du projet de constitution d'une collection et la caractérisation des ressources génétiques du poivrier en Côte d'Ivoire, exécuté par le CNRA.